Un téléviseur à écran plat est un objet de rêve. C'est aussi un produit fragile. De sa sortie du carton d'emballage à son installation, votre écran plat doit être manipulé avec précaution. Pour l'installer, il vous faudra tout d'abord le sortir de son emballage sans l'abîmer. Enlevez les poignées du carton, puis retirez-le en le relevant vers le haut. Déposez le pied du téléviseur à côté du carton, puis retirez les protections qui recouvrent l'écran. Sortez-le de son emballage et déposez-le sur une surface plane. Quand vous manipulez votre écran, faites-le avec précaution. Ne tenez pas votre écran par son cadre. C'est un produit fragile et vous pourriez facilement le faire tomber et le casser. Il faut normalement tenir le téléviseur face vers le haut et surtout pas la dalle face au sol. Ne portez pas votre téléviseur seul et n'essayez pas non plus de prendre un objet quelconque en vous déplaçant. Lorsque vous déposez votre écran, ne l'adossez pas à un mur ou à votre canapé, il pourrait glisser et se briser. Déposez-le directement sur une surface plane en faisant bien attention à le poser sur sa face arrière. Si vous souhaitez installer votre écran sur un meuble, il faudra d'abord monter le pied. Utilisez les vis fournies pour fixer les tiges de montage sur le pied. Assurez-vous que votre meuble TV est bien destiné à supporter le poids de votre écran. Votre écran est ensuite prêt à être posé. Portez-le à deux et déposez-le sur le pied. Il faudra ensuite fixer le téléviseur au pied en veillant à bien serrer les vis. Vous pouvez installer votre écran sur le mur. Il faudra vous équiper de l'accroche murale proposée par le fabricant pour ne pas risquer de voir votre téléviseur tomber du mur. Si votre écran est compatible VESA, vous pourrez aussi choisir un support mural certifié VESA. Votre téléviseur est à présent installé. Découvrez en famille toutes les possibilités de votre nouvel écran plat et profitez d'une qualité d'image exceptionnelle en haute définition.